que je préfère dans mon métier, c'est d'être au contact des collaborateurs, comprendre leur métier, accompagner le développement de l'entreprise et surtout proposer une expérience collaborateur qui soit attractive, participer au développement des potentiels au sein de l'entreprise, mais assurément, aucune journée ne se ressemble. Émilie Aubert, DRH du BMW Group en France. Le rôle du DRH, c'est de comprendre les métiers de l'entreprise, participer à son développement et de faire converger le développement des collaborateurs avec les besoins de l'entreprise pour assurer sa pérennité. Et c'est aussi de donner du sens pour une réussite commune. Café. Une journée ne démarre pas sans un bon café. La transformation des organisations à l'ère du digital, la montée des nouvelles formes de travail, d'apprentissage, de collaboration. Et d'ailleurs, avec la crise sanitaire que nous traversons, on voit qu'on a besoin de repenser nos organisations du travail, le rôle du management, le rapport au travail et la notion du collectif. Alors, j'ai plusieurs noms en tête. Mais je suis assez admirative de ceux et celles qui réalisent leur passion, quelle qu'elle soit. Sans hésiter, bistrot. Plutôt jean basket, mais je pense qu'il faut savoir sortir le tailleur de temps en temps. Alors je pense sur sa curiosité à anticiper les changements, l'écoute, l'empathie, la bienveillance. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui soit tourné vers l'innovation pour pouvoir anticiper les futurs métiers, les nouvelles compétences requises et pouvoir implémenter les nouvelles organisations du travail. Pain au chocolat. Absolument pas. Bien au contraire, je pense que ce sont des personnes qui aiment profondément les gens. Voilà. Alors, je n'ai pas de nom particulièrement en tête, mais j'aime l'état d'esprit start-upper, cette volonté d'entreprendre, de monter son business, d'innover et de prendre des risques. Alors, je crois que les DRH vont jouer un rôle crucial dans les années à venir, qui vont occuper un positionnement de plus en plus stratégique et également plus anticipatif pour mettre en place tous les changements à implémenter au sein des entreprises. Le métier de DRH est passionnant et j'espère avoir aiguisé votre intérêt.